Donc bonjour, on va reprendre donc avec une presse sur le Future of Reading. Moi je suis Claudio et avec Grandin on va vous présenter quelques slides. Ça va être un peu rapide parce qu'on s'est un peu lâché, on en a fait un peu beaucoup. Donc je ne vous dis pas le nombre, ça vous fait peur, 260. Ok. Alors ça va être quatre parties. On va commencer avec une partie sur les espaces de lecture, les nouveaux espaces, en quoi ça consiste, quelles sont leurs caractéristiques. Tous les éléments, tous les patterns qu'on a pendant la lecture, tout ce qui est autour de la lecture, donc autour des mots et des phrases d'un texte, et quelques conclusions avec des recommandations pratiques pour les information architecture. Donc on commence avec les espaces de lecture. Vas-y. On commence avec les espaces de lecture. Donc on peut dire qu'aujourd'hui il y a trois classiques. Il y a les livres, il y a les périodiques, donc c'est-à-dire les magazines et les journaux. Et après, il y a le web. Donc chacun a son propre modèle mental, ses abondances, ses limites, etc. Mais ils sont un peu, ils sont très en transformation et un peu en collision. Donc on va commencer avec quelques tendances en termes de lecture, c'est le moment de transition. C'est toi qui commences. Ok, donc le premier, évidemment, c'est la transposition de papier en numérique. Ça, comme on a déjà dit, c'est les e-books classiques. C'est une approche a priori print. Donc on commence avec le print et après, tout le reste, c'est les déclinaisons. C'est pas forcément la bonne approche, on verra. Donc voilà, on a les périodiques qui commencent d'être interactifs. Par contre, il y a certaines qui se mettent en forme numérique et qui restent statiques. Donc voilà, il y a la question du skeuomorphisme qui a été appelé par Olivier Reichenstein un peu kitsch. C'est le côté add video to it, donc les livres multimédia. Ça c'est aussi très très critiqué. Si tu mets une vidéo dans un livre, ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'un livre. Il y a une grosse différence entre les distributions physiques et les distributions de marketplace électronique. Après, pour tout ce qui est navigation, pour les e-books, on reste assez traditionnel. Donc, on a des dates de matière, beginning, end, jumping to a certain page. Et les interactions, ils sont tous pris de livres classiques, donc on peut se relier. Après partager ça. Autre chose, c'est si on passe sur des contenus qui sont nativement faits pour le touch et pour le mobile. Donc là, on a des e-books qui sont enrichis et qui sont interactifs et qui permettent un contrôle total de l'interaction par l'auteur. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, sur le reflow ou le texte comme sur les e-books. On a un élargissement des possibilités d'interaction et on a quelque chose qui est vraiment spécifique au dispositif pour lequel le livre, par exemple, a été conçu. Donc on a l'aspect touchable donc, qui était déjà présent avec le livre et qui revient sur les tablettes. Un usage de tout ce qui est gestuel pour élargir des images, les faire glisser, les transposer, les rassembler sur l'écran. L'aspect interactif de prise des notes par exemple, comme sur les derniers iBooks de Apple, qui permet de prendre des notes, de les retrouver, de jouer avec dans un espace dédié. L'aspect orientable, donc le fait que ça puisse utiliser dans les deux sens, et quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus original, qui est le fait qu'on puisse par exemple souffler dans la tablette. C'est pas vraiment un capteur de souffle, mais c'est plutôt le micro qui détecte un bruit et qui permet d'interagir avec la tablette. Et quelque chose d'assez original, il y a Evernote qui arrive à utiliser même les propriétés magnétiques de la iPad 2 pour montrer ou cacher des parties de texte en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la couverture magnétique. Et on a aussi des compromis, donc ça c'est tout ce qui est images 3D qu'on peut tourner, mais finalement qui ne vont pas jusqu'au bout des possibilités, parce que vous voyez, pour avancer dans le texte, il faut cliquer sur des petits boutons, ce qui est assez proche de ce qu'on devait faire déjà avec des sites web ou des CD-ROM interactifs. Le troisième trend qu'on constate, c'est le côté du user control. Et ça, c'est pas une question de lignes numériques, c'est surtout le passage de le web, donc situé sur un poste de travail ou sur un ordinateur portable, dans les tablettes, les smartphones, etc.
Et c'est une question de contrôle d'utilisateur pour shift du contenu et pour consommer comme il veut. Donc, et il y a surtout un côté de nettoyage et mise à la place des contenus. Parce que la lecture sur le web, c'est, on peut dire que c'est sale, c'est très pollué, il y a toujours des pubs, il y a toutes les navigations autour. Et il y a une attente d'épuration, de cleanliness pour consommer les textes dans un format un peu plus propre. Et donc ça commence déjà avec l'aggregation et RSS qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout un utile un peu geek, un peu élite. Donc ça commence, voilà, on a NetNewsWire à l'ancienne, ça a avancé avec Google Reader. Maintenant on arrive sur des choses beaucoup plus bien faites, juste en termes de design visuel, comme Reader. Mais ça c'est un peu le pôle. Donc moi j'ai dit que je veux le contenu qui vient de partout dans le web, je veux le lire sur mon propre terme. Après il y a le couche juste de lecture tout court. Ça c'est une question de lisibilité. Tout a commencé avec la plateforme Readability. C'était un bookmarklet il y a quelques années. Donc tu commences en haut avec un page normale. Après c'est remis en forme avec le texte pur, c'est lisible. Ça, c'est devenu une plateforme en lui-même. On voit que ça, c'est Tweetbot. Ils ont ce petit toggle ici qui change d'un page normal jusqu'à un page beaucoup plus visible. Ça aussi, c'était repris par Apple avec les fonctionnalités Reader qu'on a tous dans Safari et Safari Mobile. Et donc derrière, il y a un page normal, mais là, je veux que le texte. Voilà, j'ai le texte. Et la dernière tendance en termes de user control, c'est celui du content shifting. Et il y a plusieurs supports, il y a Instapaper et Read It Later. Instapaper, c'est, pour moi, c'est l'original. Et ça, c'était inspiré de base par Readability. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un bookmarklet qui après fait un scrape, qui remet tout le contenu d'une page dans un espace dédié qui. C'est tout ce qui est magazine personnalisé. Donc c'est le redesign, un peu l'institutionnalisation des pratiques de lecture sur RSS avec des manières qui sont plus confortables, qui sont plus personnalisées pour le lecteur. Donc avant c'était un peu compliqué et chiant de faire son propre reader RSS et ça n'arrivait pas jusqu'au point d'avoir une vraie expérience personnalisée. Là on a pas mal des services qui font un design adapté pour ça. Donc là c'est Pulse, vous voyez c'est une ligne temporelle qui rassemble tous les RSS auxquels on est abonné, on peut les lire dans le magazine. On a c'est Zeit. Donc là aussi c'est des lecteurs RSS qui donnent la possibilité de remise en forme du contenu à l'intérieur de la plateforme. Flipboard, le Flipboard est là. Là aussi, c'est tout ce qui est vraiment, ça se branche aussi sur les réseaux sociaux, donc Twitter, etc. On peut les connecter, les lire comme des magazines, avec certains acteurs qui ont un rapport privilégié, un peu, et qui ont une mise en page dans Flipboard qui est encore mieux adaptée à leur contenu. C'est-à-dire qu'ils ont fait des accords avec Flipboard pour que la mise en page corresponde vraiment à l'univers graphique de l'éditeur. Petit récap, les trends pour ce qui est espace de lecture, c'est tout ce qui est transposition du papier numérique ou inversement tout ce qui est native touch et mobile. L'aspect du contrôle de l'utilisateur, donc avec toutes les possibilités que l'utilisateur a de sortir le contenu de son contexte, le lire dans un environnement qui est plus adéquat à une lecture continue. Et l'aspect personnalisation avec des magazines comme Flipboard qui permet d'adapter, de créer un magazine personnalisé sur nos flux auxquels on est abonné. Donc maintenant on rentre vraiment dans le matériel, dans l'espace de lecture. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on lit? Et ça c'est un peu c'est mini, on peut dire un pattern library des interactions entre lecteur et support. Donc le premier, c'est une question de revisiter les classiques. Et ça, c'est surtout moving forward, donc comment on avance dans un espace de lecture, dans un espace d'information. Donc première partie, c'est juste turning the page. Comment tu avances dans les espaces. Donc il y a beaucoup des patterns, un peu, on ne peut pas dire en concurrence, mais en cohabitation.
La première, c'est scrolling, tout classique, tout glisse en haut ou en bas, et ça, ça évidemment, on a le paging, ça peut être plus ou moins scomorphique en fonction du support. Mais après, on a des choses un peu hybrides. Dans New Yorker, on a des page columns, donc tout glisse, mais c'est, ça snap, donc ça fait chaque fois que tu passes d'un page à l'autre. Mais entre là, donc il y a le fait de parallax paging. Donc en horizontal, les choses qui s'affichent en termes de layers. On a aussi le parallax scrolling, mais ça, vous allez voir, le colonne à gauche, ça fait office de pole quotes, je ne sais pas comment ça se dit en français. Donc pendant que tu glisses, il y a des choses qui déroulent à côté. Donc, après, on a les flips, comme on a vu sur Flipboard, et ça c'est nativement web, ça existe, c'est vraiment pas possible. Je pense que tu peux faire ce que tu en book design, mais ça, c'est au centre au lieu de un côté de la page. Voilà, ça se fait en horizontal. Et ce qui est intéressant ici justement, c'est l'aspect du support d'usage. C'est-à-dire que quand ils sont passés sur l'iPhone, ils ont décidé d'inverser la direction du flip. C'est justement avec le pouce, c'est beaucoup plus simple de faire ce mouvement-là sur l'iPhone par rapport à un mouvement de horizontal comme sur l'iPad. Et ça, c'est un autre effet, c'est similaire à la parallaxe. Et ça, c'est plutôt des pages qui chevauchent un peu entre deux. Donc au lieu d'avoir une page, tu peux avoir deux, et l'espace entre chaque page, ça devient une page en lui-même. Donc ça c'est moving forward, maintenant on parle de moving around, et ça c'est comment tu navigues dans un livre, pas juste de 1 à 2, mais de 1 à 27. Donc on commence avec le sommaire, c'est classique, c'est vraiment c'est prise directe du texte. Après c'est juste une question d'interaction, on a les drop-down dans les applications de la VD. On a aussi les portails, ça c'est l'application TouchPress. Moi je ne suis pas très fan, c'est vraiment beaucoup plus CD-ROM, mais c'est quand même une approche. Aussi TouchPress c'est AppStyle, et donc ça c'est vraiment un non-linéaire, tu arrives et tu n'as même pas le modèle mental d'un livre. Donc pour moi c'est un app direct. Après il y a le navigation par arbre qui est beaucoup plus exploité par Inkling, et donc là on voit vraiment dans une manière explicite tous les niveaux sur trois couleurs, c'est quoi, c'est le chapitre, les sections et le texte qui s'affiche en fonction du choix qu'on a fait, donc c'est un arbre horizontal. Ouais. Après il y a les rubans, et les rubans on voit de plus en plus, ça c'est dans DataVista, et ça c'est juste une navigation entre les chapitres, mais ça peut aussi représenter plusieurs niveaux. Ça c'est entre un titre avec le page au milieu, ça c'est astronaute. Mais on a ça c'est magical science. Ouais, et là, trois niveaux. Ouais, et là on a trois niveaux, donc on a le chapitre là-haut, les pages, donc tout le ruban de cette chapitre, après la page en lui-même. Et donc c'est vraiment nouveau, une manière de visualiser un espace. On a aussi des colonnes toutes courtes, et ça se voit énormément sur les applications de Condé Nast. Et là, on a un peu une vue photographique de combien de contenus il y a à chaque niveau, dans chaque programme, dans un objet composé dans le magazine. Et finalement, on a 5. Et ça, c'était forcément pas possible avant. Pas besoin de faire un marquage ou autre. Après, le référencement croisé. Après, les référencements croisés, c'est comme la navigation contextuelle. C'est comment on perd énormément de temps sur Wikipédia. Et si on peut révéler des systèmes latent, l'attente qui existe déjà dans les livres, ça va être au travers du référencement croisé. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on trouve assez peu. Et là, aussi, il y a une tendance, c'est que toute l'émergence de nouvelles plateformes qui font aussi partie de l'expérience d'une marque, par exemple. On en a de plus en plus qui émergent, qui utilisent la manière de naviguer dans les contenus comme une expérience de marque de l'éditeur, par exemple. Donc, on a, par exemple, sur le Kindle, la manière d'acheter un livre et la manière dont le livre est mis en page et la typographie font vraiment ce qui est spécifique à la marque Amazon.
On a un exemple aussi qui est vraiment qui pousse ça aux limites, c'est toutes les publications de Condé Nast sur plateforme Adobe. Donc tous les Wired, The New Yorker, Vanity Fair, GQ, quelque chose d'autre. Ils ont le même système de navigation. Vous avez de Atavist, qu'on a cité tout à l'heure, qui pour l'instant existe en tant qu'éditeur, donc ils publient leur propre bouquin, mais ils donnent la possibilité, pour l'instant ce n'est pas exploité, mais d'utiliser la plateforme comme plateforme de publication, avec toute une série de possibilités qui sont natives et qui vont faire une homogénéité dans les contenus. Et vous allez le voir, tout ce qui est iBooks 2, avec aussi derrière des plateformes qui permettent de publier, donc qui permet à la fois de distribuer et de créer le contenu. Et on a aussi des mauvais exemples, comme là par exemple l'application du Monde, où effectivement, si vous allez sur le quotidien, vous avez un tas de possibilités d'interaction, mais si dans le même quotidien vous essayez d'accéder au magazine, donc le Monde Magazine, ça devient un PDF. Donc à l'intérieur de la même plateforme, vous changez complètement de règles d'interaction et de possibilités d'interagir avec les contenus. Donc, la septième tendance qu'on a identifiée, c'est la question de l'enrichissement de l'espace lecture. Et par rapport avec le web, où bien évidemment on a accès à tout type de contenu multimédia, le fait de tout mettre dans un container, c'est assez nouveau. Toujours en pensant de modèle mental d'un espace dédié de la consommation. Ça, c'est pour les livres interactifs et enrichis, c'est assez nouveau et c'est que sur les tablettes. Juste en termes d'interaction, pour les mots et les phrases, la matière première, on a déjà évoqué, on a les dictionnaires, ça c'est en Kindle, ça c'est en iBooks, donc il y a évidemment plusieurs patterns de mise en forme. On a aussi la question des inline media. Donc vous voyez à gauche, il y a des petites flèches. Ça, c'est dans Atavist. Si on clique dessus, ça révèle des media intégrés. Et donc on peut prendre ça direct. Et ça, c'est tellement différent que l'image qui est déjà mise dans le texte. Ça, c'est un autre exemplaire. Ça, c'est en LinkedIn. Et on clique sur le fig et ça arrive. Après, il y a tooltips assez classiques sur le web. Il y a des notes, ça c'est en Wasteland, donc on a des notes par ligne à gauche. Et si on clique dessus, on a une explication beaucoup plus approfondie. La recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste un peu bête. Le problème, c'est que ça reste plutôt sur le présent, c'est pas sur le contexte. Donc les résultats de recherche dans un livre, c'est pas très parlant. Tu vois un peu les mots qui entourent, mais il n'y a aucune révélation de « est-ce qu'il y a une grande concentration de ces mots ou ces concepts dans une certaine partie du livre ?» C'est cru, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire avec les recherches en termes. On a pris différents exemples de notes, donc ça c'est des notes qui font un pop-up sur la page. Des notes qui, hop, là on est sur les systèmes de surlignage, c'est toujours la iBook 2. Des annotations qui apparaissent comme résumées dans le livre et qui peuvent aussi être exportées, donc qui peuvent être envoyées par mail ou intégrées dans la copie. Donc ça c'est tout ce qu'on peut faire autour du texte. Après, il y a la question de riche média. C'est très souvent critiqué, on dit « ouais, un livre numérique, c'est pas juste qu'on rajoute une vidéo, mais quand même, c'est ce que je pense. » Il y a un énorme potentiel qui n'est pas totalement exploité aujourd'hui. Le fait que c'est tactile, c'est pas quelque chose à sous-estimer. On a du média sur le web, mais comme j'ai déjà dit, le fait que c'est sous le main, ça change un peu l'expérience. Mais une fois que c'est généralisé et banalisé, je pense qu'on ne va plus parler trop de ça. Donc il y a des images interactives avec plusieurs types des effets. Donc il y a le swipe des orbes qui montre entre la couverture de Destination Moon et celui du film. Ça c'est dans X-Ray, donc on swipe, ça révèle l'intérieur de la moto. Après, il y a les touch galleries, ça c'est quelque chose qu'on a vu pour iBooks 2, donc c'est un peu le slideshow intégré qui on peut ensuite élargir avec le pinch.
Là, tout ce qui est swipe animation. Donc, si vous faites glisser votre doigt, il y a le joueur qui bouge et qui balance sa balle, ça c'est wire. Ouais. Ça, c'est juste une animation tout court. Donc, c'est gadget, mais ça il y en a bien. Après, il y a la question des modèles 3D. Il y a une question de scaling, donc si on clique sur Life Size, ça se diminue à la taille réelle. Et il y a évidemment aussi la possibilité de rotation. Il y a les timelines, ça c'est une application assez classique qu'on trouve dans Zatalist. Après, il y a des applis, c'est un peu. Il faut trouver le lien entre les applications et les livres interactifs, ça c'est les présidents. Et ça c'est une interactive timeline avec beaucoup de texte derrière. Quand on clique sur un élément, il y a une page qui arrive. Après, il y a des choses comme l'histoire de jazz, qui sont des timelines un peu plus classiques. Et après, il y a une question de lecture de voix et synthèse vocale. Ça, on n'a pas d'audio. En fait, ça, c'est le pièce de théâtre Macbeth. Et sur la droite, il y a une lecture en live qui suit, c'est toujours en rouge. Il y a un petit film animé qui déroule à gauche. Et c'est assez innovant comme expérience de Shakespeare. Et après, il y a les modules interactifs, comme ça. On glisse, on voit les choses. Il ne faut pas oublier les storybooks, et c'est là où on voit pas mal d'innovations en termes d'interaction. Alice in Wonderland, c'est pas trop, il y a des physiques, ça devient plus grand. Après, il y a des choses comme par Ocean's Media qui ont repris beaucoup de children's books, et ça, il se prend un peu d'espace de livres classiques comme espace cinématique. Donc on prend les pages et on bouge autour, on fait des zooms, et donc c'est vraiment, c'est animé, mais d'un base qui est une page normale. Et ensuite il y a des choses beaucoup plus avancées qui sont presque plus les livres, je vais appeler ça book film après Asimov. Et donc là on arrive, il y a quand même quelque chose à lire, mais après il faut toucher et ça devient un film. Récap sur pendant la lecture, on a tout ce qui a existé, les classiques de pagination et navigation, les plateformes qui sont aussi liées à l'expérience d'usage et l'expérience d'une marque spécifique, toutes les stratégies pour enrichir l'espace de lecture qui intègrent aussi tout ce qui est rich media. Ensuite, autour de la lecture, tout ce qui est au-delà du support, donc on a un peu listé tout ce qui permet d'aller au-delà du support du livre, et on s'est dit, mais finalement, c'est des choses qui existaient déjà, des livres dont l'objectif, c'est de faire agir les personnes dans le monde réel. Donc on a tout ce qui est, tu peux aller vraiment vite, guide de voyage, donc qui sont des guides de voyage augmentés, tout ce qui est textbooks, donc qui servent à apprendre à l'école, avec d'ailleurs des plateformes d'application, les cookbooks. Réchauffer les fours. Qui vraiment suppose une action dans le monde de la part du lecteur. Tous les autos, donc là c'est un livre pour apprendre à faire de la photographie. Qu'est-ce que c'est le F-stop? Et là on va voir les différences. Ouais. Ou pour des nœuds aussi. Et tout ce qui est mode d'emploi, donc des modes d'emploi un peu sexy, avec qui dépasse un peu le PDF, avec des possibilités d'interaction pour des clients, c'est plutôt un target luxe. Et là, on arrive à ce qui est vraiment l'extension de l'espace de lecture, donc tous les exemples de livres sociaux, livres connectés, livres qui proposent une action dans le monde réel. Donc lecture sociale, on a sur Kindle les most popular highlights, donc c'est les passages les plus partagés, les plus soulignés par la communauté. On a des plateformes de lecture communautaire, donc, où il y a une notation des livres, des critiques de livres collectives par une communauté. On a des notes partagées, donc on peut mettre en ligne et rendre public les notes qu'on prend sur un bouquin. On a tout ce qui est social reading, mais dans ce cas-là, c'est inline, c'est-à-dire du commentaire live sur des bouts de texte. Et aussi la lecture comme activité publique, ça c'est Kobo. Vous pouvez afficher votre activité de lecteur, être fier de votre activité, de vos statistiques, c'est un peu de la data-vise de lecteur, avec aussi un système de badge que vous pouvez débloquer en fonction de vos activités de lecture. Il y a tout ce qui est gamification de la lecture. Jusqu'à des plateformes, comme ça c'est un projet de recherche de Autodesk, qui va retracer toutes les citations dans des articles scientifiques. Voilà.
et des exemples de lecture située qui existent déjà. C'est pas avec le numérique, c'est quelque chose que moi, par exemple, je faisais déjà souvent, aller lire des bouquins sur le lieu où le bouquin a été écrit ou dans le bouquin parle, mais qui sont maintenant enrichis par des possibilités assez basiques comme celle qu'on voit la prochaine. Donc, c'est plutôt un guide littéraire, Shakespeare à Londres. La suivante, qui est des extraits géolocalisés sur Paris, mais sans idée de parcours ou de cohérence spécifique. Et ça, qui est un projet personnel sur des parcours littéraires au sud de l'Italie, à partir des cahiers de voyage d'écrivains, qui essaient de faire des parcours à partir d'extraits géolocalisés qui appartiennent à des livres différents. Et on a aussi mis tout ce qui est expérience cross-média, c'est-à-dire des personnes qui lisent à la fois du papier et du numérique et qui complètent le papier par le numérique. Voilà, donc gros trend ici, c'est l'extension de l'espace de lecture d'un point de vue social, d'un point de vue situé et surtout l'expérience cross-média. Et on arrive à la conclusion. Wow. Ok, on a fait une chaque. Je commence. Je suis lancé, j'y vais. Donc, tout ce qu'on a vu, on voit qu'aujourd'hui, tout ce qui est architecture des contenus fait vraiment partie de l'expérience. Il y a vraiment une fusion entre ce qui est architecture de l'information et expérience d'usage qui arrive jusqu'à l'expérience de la marque. C'est-à-dire qu'il y en a qui font le choix d'imposer un modèle de navigation et de pagination qui va faire l'identité d'une marque éditoriale. Avant, c'était juste sur le type de papier, sur les couvertures, sur la typographie, mais tous les bouquins se feuilletaient comme des bouquins, donc il n'y avait pas qui faisait des pages bizarres avec de la navigation, enfin il y en avait, mais ce n'était pas tellement répandu. Là aujourd'hui, ça fait vraiment partie, du jeu. Et on peut dire que Information Architecture, c'est aussi Interactive Architecture, pour tout ce qui est lecture. C'est vraiment réfléchir dès le départ aux possibilités d'interaction du dispositif, du support et aux possibilités d'interaction avec le contenu dès qu'on réfléchit à une interaction. Bien sûr, c'était lié même avant, mais là, ça fait vraiment, on sait que la manière d'organiser, par exemple, du contenu entre les pages dans un livre va influencer ce qui sont les interactions avec cet ouvrage, avec des possibilités nouvelles qui sont assez poussées. Et les classiques, comme on a vu, tout ce qui est navigation par scrolling, par page, sont à revoir, mais en fonction du contenu. Si on a du contenu plutôt linéaire, on peut garder de la pagination. Si on a des contenus chapitrés, il vaut mieux mélanger tout ce qui est cards et pagination et scrolling. Non, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a comme contenu qu'on doit faire des choix de navigation. Vas-y. Donc, évidemment, le plus qu'on a ces types des objets interactifs à faire, le plus qu'on a des choses à designer. Donc, le fait que c'est des nouvelles livres, applications, etc., tout ça, le fait qu'ils racontent beaucoup plus de l'extérieur, c'est pas juste des hyperliens, ça nous pose des problématiques à gérer en termes de design. Il y a aussi juste quelque chose qu'on a loupé en question de collaboration, oui, qu'on peut bien envisager dans le futur proche. C'est jusqu'ici, le design des livres, c'était le boulot des rédacteurs et de book designers. Et je pense qu'on va avoir peut-être plus de collaboration, de overlap, entre, pas forcément entre les métiers, mais pour produire un objet interactif comme un livre grande échelle, ça va faire appel à notre discipline. Après, il y a la question de le form et contrôle, c'est dans le même key. Pour tout ce qui est shifted text, c'est forcément le contrôle sur, c'est dans le même des utilisateurs, mais comme on a vu sur Flipboard, il y a les producteurs qui essaient de rattraper un peu ce contrôle. Pour le reflowable text et les livres classiques, ça reste quand même une option pour toi. C'est à toi de définir le détail du texte, etc. Et en général, c'est la même chose avec le reflowable text avec Inline Media. Mais après, pour tout ce qui est mise en place figée, et ça, c'est les publications beaucoup plus visuelles et interactives, donc les choses qui sont en général des apps à part, ça va rester pour le moment vraiment dans la main de le rédacteur. Et c'est vraiment un continu entre une possibilité d'optimiser la diffusion du contenu, donc de laisser à l'utilisateur le choix
de l'affichage de son texte jusqu'à des publications beaucoup plus visuelles, comme tu disais, qui permet de contrôler la manière dont la page va s'afficher sur le dispositif, mais qui du coup sont souvent liées à un seul type de dispositif, et donc moins facilement transférables. Et juste en termes de notre position, est-ce que ça va faire plus de boulot pour nous si on dit, moi je dis souvent qu'un PDF c'est un peu une solution à feignant au contenu qui doit être sur le web, mais si on dit qu'éventuellement tous les PDF sont remplacés par les e-books. On l'a vu par exemple dans l'exemple de la voiture, c'était typiquement un PDF enrichi. Ouais. Et aussi le fait qu'il y a de plus en plus des YouTube de authoring qui sont comme Red Jumper et David Books et même Atavis que je pense va être offert. Donc on peut bien imaginer une démocratisation de production des livres interactifs, mais chaque fois qu'il y a la démocratisation, ça demande une discipline. Donc c'est à nous. De marquer la différence entre des contenus pro et non pro, c'est ça que tu veux dire. Et voilà. Merci.